Aujourd'hui, je vous emmène à Quimperlé et on va découvrir ensemble la Laïta. C'est au cœur de la ville que se forme le fleuve côtier, une frontière qui sépare le Morbihan et le Finistère. C'est une rivière particulière où les loutres, les saumons et même les moules ont trouvé refuge. Salut Darig. Bonjour Marine. Tu vas bien? Très bien, et toi? Donc tu vas être mon guide pour la journée, c'est ça? Je suis ton guide pour la journée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc là, on part de Quimperlé, on va faire la descente de la Laïta. Super. Et on va descendre jusqu'à Guidel, le Pouldu, jusqu'à l'embouchure, jusqu'à la mer. Et la Laïta, elle fait combien de kilomètres? 17 kilomètres de long. Ok, ah, vas-y, c'est parti, je te suis. Allez. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va se faire aider avec le courant, mais il va falloir quand même pagayer, hein. La Laïta, c'est un fleuve côtier. Est-ce que tu peux m'expliquer sa particularité? Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve côtier? On pourrait pratiquement dire que c'est un méandre ou une ria. C'est-à-dire que ici, on retrouve jusqu'à Quimperlé encore une eau saumâtre, mais aussi qui est salée. Alors c'est sûr qu'ici, elle est un petit peu moins salée qu'au niveau de l'embouchure, parce qu'on a deux affluents qui s'y jettent. On a l'Isole et l'Élé qui sont derrière. Ouais. Et donc, ce qui radoucit un petit peu l'eau. Mais on est quand même sur une eau qui reste salée. Franchement, c'est magnifique. Hein. On a l'impression d'être seul au monde. Ouais, c'est clair. L'avantage de la Laïta aussi, c'est que c'est resté totalement sauvage. Il n'y a aucune construction. On va retrouver quelques belles demeures, mais ce sont des demeures qui ont été construites il y a plusieurs siècles. On est en train de passer sous un viaduc, c'est ça? C'est un viaduc. C'est la voie de chemin de fer qui a sauvé un petit peu l'économie du coin, mais c'est ce qui a aussi créé, hélas, la pollution qu'on a pu connaître sur la Laïta, qui a été vraiment conséquente. Avant, donc, le commerce se faisait par voie maritime, et à partir de 1864-1865, à l'ouverture de la voie de chemin de fer, tu t'imagines que c'était bien plus sécurisant et moins coûteux d'acheminer tous les produits via le train. Et donc, au niveau de Quimperlé, elle a perdu son économie maritime et donc elle a changé son fusil d'épaule. C'est là qu'elle s'est tournée vers l'industrialisation. D'accord. Les usines de textile et de papeterie longtemps implantées le long de la Laïta ont maintenant cessé de déverser leur pollution. La rivière est redevenue propre et limpide pour les hommes et les animaux. Et de nombreux poissons et volatiles ont repris leur place le long du cours d'eau. Première halte sur mon chemin. Darig a trouvé un passage pour que je puisse rejoindre une équipe de l'Office français de la biodiversité près d'une passe à poissons. Cet ouvrage créé par l'homme permet aux poissons migrateurs de remonter la rivière. Et en ce moment, c'est la saison où le saumon retourne vers son lieu de naissance pour frayer, c'est-à-dire se reproduire. Vous avez l'habitude, vous, de venir justement ici pour contrôler? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est un endroit où le saumon, dès qu'il revient, enfin, qu'il monte la rivière, il s'est nourri en mai, il va remonter le cours d'eau, notamment la Laïta, et donc il va stationner un petit moment ici, au niveau de la prairie des Gorées, donc c'est un spot pour les nombreux pêcheurs de saumon. D'accord. Donc voilà. Là, j'en vois un, ça a l'air d'être un professionnel, monsieur, attention. C'est pour mon loisir, uniquement. Et là, je vois que vous moulinez. Ça fait combien de temps qu'on mouline? Oh, ça fait quelques décennies qu'on mouline. Vous avez attrapé un saumon ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Alors, on constate qu'il y a une montée de saumon. Il y a du poisson dans la rivière. On en voit. C'est pas pour autant qu'on l'en prend. Bon, bah, je vous laisse tranquille. Je vais continuer avec l'OFB. Là, ils ont l'air de faire un petit contrôle. Je vais les suivre. Bonne pêche. Le saumon de la Laïta attise les convoitises. Une surveillance particulière est menée au pied de la passe à poissons, le coin des braconniers. Les eaux, généralement, l'été sont basses, et donc les poissons sont repérés par certains braconniers, et donc notamment lorsque le soleil est au zénith, ils arrivent à les voir avec des lunettes polarisantes, et ils utilisent des cannes munies de grappins. Alors un grappin, je peux te montrer ce que c'est. Oui, hein. Absolument. Voilà, donc ils utilisent, c'est un trident,
Donc il lance ça au-delà du poisson, le ramène sous son ventre et tire d'un coup sec pour l'attraper par le ventre. Alors que légalement, un poisson se prend par la bouche avec un procédé tout à fait autorisé. Il faut quand même avoir un certain coup de main pour pouvoir le choper du premier coup, quoi. C'est quand même, alors, c'est quand même compliqué. On a affaire à des habitués. Hein. Ils braconnent, ils sont à trois individus, voire plus, mais souvent un guetteur, un qui a la canne et le grappin, et un autre qui va aller prendre le poisson dans la rivière. D'accord. Et partir avec. Quoi. Pour maintenir la biodiversité, 175 saumons sont autorisés à être pêchés légalement chaque été dans la Laïta. Le braconnage met donc en péril la survie de l'espèce. La descente vers la mer se poursuit avec Darig. Il nous reste encore 5000 nautiques, soit plus de 10 km à pagayer. Allez, ça va muscler les bras. La marée est descendante là. C'est pour ça qu'on est un petit peu aidé avec le courant de la marée descendante. Heureusement, parce que remonter, c'est un autre projet. Hein. À contre-courant, je crois pas que je te réaccompagne. Je t'ai laissé petite seule. Aujourd'hui, je suppose que pour maintenir cette biodiversité et ce retour du poisson, il faut aussi maintenir cette rigueur écologique. Il faut maintenir. Après, je crois que tout le monde est concerné par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait plaisir. C'est que nous, y a une activité maintenant qui est économique, mais qui est beaucoup plus saine, c'est-à-dire au niveau des balades sur la Laïta. Puis c'est un tourisme vert, parce que donc il n'y a pas de pollution qui s'est créée. Et c'est là aussi, par rapport à ça, qu'on peut voir justement que la mentalité a changé. Lorsqu'on voit des personnes qui louent des kayaks et qui redescendent la Laïta ou qui la montent, et ils arrivent, tous les morceaux de plastique qu'ils ont croisés sur le chemin, ils les ont ramassés. Nous voici à l'ancienne abbaye de Saint-Maurice. J'ai rendez-vous avec Franck Simonet qui piste la loutre en forêt. Le mammifère a fait son grand retour sur les bords de la Laïta dans les années 2000. On arrive sur un petit spot pas mal pour observer, tu penses? Pas trop mal. On peut aller voir quand on a un tronc comme ça qui s'avance dans l'eau. J'ai pas de bottes et j'ai pas d'équilibre, Franck. Ok. Eh ben on va essayer. Si je tombe à la flotte. De toute façon, là, on fait beaucoup trop de bruit pour voir une loutre. Ouais, on fait plutôt trop de bruit. Mais surtout, la loutre, elle est avant tout nocturne. Et finalement, elle passe pas un temps énorme. À chasser, elle passe 5-6 heures par 24 heures à chasser. Là, par exemple, on pourrait éventuellement imaginer qu'elle puisse vivre un peu au loin, là-bas? On peut tout à fait... On pourrait imaginer qu'on reste là jusqu'à la nuit et qu'on ait une chance de l'apercevoir, là, dans les branches mortes un peu plus loin. Ici, en fait, on a une queue d'étang, le fond de l'étang, qui est assez fermé du point de vue de la végétation. C'est-à-dire, il y a des arbres tombés, il y a des arbres morts. Et c'est le genre d'endroit qu'elle recherche pour mettre bas et élever ses jeunes. D'accord. Il y a quelques années, on avait observé plusieurs éléments qui indiquaient très probablement la présence de jeunes dans le fond de l'étang, et notamment la mère qui est venue de la Laïta, qui a traversé l'étang avec un gros poisson dans la gueule, ce qui est signe qu'elle vient nourrir ses petits. Et en fait, la loutre, elle permet de réguler quoi dans l'écosystème? Alors, la loutre, comme les autres prédateurs, en fait, elle régule les populations de ses proies et elle va consommer donc les animaux parasités, malades, puis surtout ceux qui pourraient transmettre des maladies. On va essayer de voir si on peut la prendre en photo avec un piège photo. D'accord. Ah, je te le tiens. Ouais, très bien. Merci. Et là, tu vas le positionner pendant combien de temps à peu près? Voilà, je vais le laisser 15 jours à peu près. Et c'est ça que tu adores observer en te posant, en observant, en attendant peut-être des heures pour voir si une tête apparaît? Alors moi, j'aime bien ce côté insaisissable et ce côté réussir à comprendre l'animal, à entrer dans sa peau.
par justement simplement le pistage, voir par où elle est passée, où est-ce qu'elle a déposé ses empreintes, ses marquages, où est-ce qu'elle a pu éventuellement chasser, où est-ce qu'est son gîte. En faisant cette démarche-là, d'essayer de comprendre l'animal et de suivre ses traces, on rentre vraiment dans son univers. La population des loutres sur la Laïta est encore faible, une dizaine d'individus environ. Grâce aux recherches et travail menés par des passionnés comme Franck, leur présence arrive à se stabiliser. Tu vois que la marée est en train de descendre, parce qu'on voit les bancs de sable qui commencent à apparaître là. Regarde, le couple en kayak un peu au loin, ils se sont fait prendre par un banc de sable. Ils se sont fait prendre dans le banc de sable. Mais tu vas voir que plus on va s'approcher de l'embouchure, plus l'eau va devenir verte, voire bleue. Elle va charger. On va sentir la mer arriver, en fait. Exactement. On va se charger en phytoplancton. Il y a quoi, là? C'est une loutre. C'est une bouée. Ça, c'est un petit cormoran. Mais tu sais, ça bougeait comme une loutre. La rivière s'élargit de plus en plus. Je sens que l'arrivée est proche. La berge qui se découvre au gré des marées est un emplacement idéal pour l'installation de parcs à moules. Une vieille tradition sur la Laïta. Bah, tu sais, la moule dans la Laïta, c'est connu parce que le roi Louis XVI, apparemment, en demandait régulièrement à sa table. C'est vrai? Eh bien, je te propose tout de suite de découvrir un couple qui a réussi à relever ce défi assez fou. C'est incroyable. Un petit port breton, des gens qui pêchent, un stand de moules. Rien d'extraordinaire a priori sous le soleil de Cloar Carnoët. Et pourtant, ces moules racontent toute une histoire. Julien et Leslie Romagnier ont relancé depuis 2 ans la production de moules dans l'estuaire de la Laïta. Pour Julien et Leslie, c'est une sacrée aventure. Pour la Laïta, c'est l'histoire d'une renaissance. Et pour le village, c'est l'espoir du retour à la vie d'un monde brutalement disparu il y a 50 ans. La Laïta était très poissonneuse. Elle était considérée comme la rivière la plus productive en saumon. Là, comme on est là, on aurait vu je ne sais pas combien de saumons sauter. Hein. Ah oui? Avec un temps comme ça, ouais. Marée montante, il fallait voir les bancs de mulets qui montaient puis qui redescendaient la marée descendante. Ils pêchaient des plis, des sols. C'est incroyable le poisson qu'il y avait à l'époque. Les gens étaient autonomes avec la pêche qu'ils faisaient et puis les parcs à moules. Hein. On avait l'occasion de déguster des moules en permanence. Il y avait toujours un couteau à disposition des gens qui passaient. Donc c'était un point de ralliement du village. Ici, là? Ici, du fait qu'on trouvait toujours une personne ou une autre. Bon, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas récent, qui date des photos qui datent de l'année 1969. Alors, toutes ces photos, ce sont des photos de la pollution de la Laïta. Alors, la première photo, c'est mon patron, complètement dans la mousse de pollution. On ne voyait plus l'eau, hein, il n'y avait qu'une couche de mousse. La deuxième photo, ce sont les employés où j'étais là-bas, au parc à moules, qui montrent dans un panier tout le poisson qui avait de crevé. Les poissons, ils n'ont plus d'oxygène. C'est pour ça que le poisson crève. Mmh. Parce que la mousse, elle bouffe tout l'oxygène. Toutes ces photos-là, ce sont toutes des photos de... Du même jour, même matin, quand on est arrivé au boulot. Et vous n'aviez jamais vu ça avant? Ah non, par petite quantité, mais pas de grosse quantité comme ça. On sait bien que ça faisait du mal, mais on ne peut pas dire la quantité de mal que ça pouvait faire, quoi, on ne sait pas. Responsable de cette pollution, les papeteries de Mauduit. Cette usine implantée à Quimperlé est rachetée à la fin des années 50 par des Américains. Sa production de papier à cigarettes devient alors mondiale. Elle rejette ses résidus dans la Laïta et malgré la protestation des habitants, cette pollution ne cesse d'augmenter. Alors, il y avait des couches de mousse dessus à chaque marée. Ils lâchaient principalement leur liqueur noire là, la nuit. Et sur l'estran ici, on ne pouvait pas marcher, on ne tenait pas debout.
Tout était de la vase, tout était à nu, quoi. Et puis de végétation. Tout était brûlé. Donc ça fait qu'on descendait plus à la rivière. Après cette pollution de 1969, c'est tout un monde qui s'éteint. Plus de pêche, plus de moules, plus de pique-nique. Les ouvriers vont travailler à Paris, les touristes se tournent vers d'autres destinations. La Laïta devient zone morte. En 2017, après 50 ans d'assainissement, la rivière est de nouveau saine. Pour Julien et Leslie, c'est une occasion à saisir. Il est skipper, elle est biologiste marin. Leur rêve, travailler ensemble sur un projet en lien avec la nature. On savait qu'on avait envie de mener un projet tous les deux. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille là où on habite, en fait. Il faut qu'on crée quelque chose à nous. Et cette envie de... Voilà, on est bien chez nous. Et si on peut monter un projet en lien avec la mer chez nous, on sera les plus heureux du monde. Mmh. Ce sera gagné. Ouais, bosser vraiment avec la nature, faire un projet familial, transmettre quelque chose, passer plus de temps avec les enfants. Enfin, truc tout simple. Quand on a fait la reconversion, on a essayé de faire ça. On garde nos jobs, on fait la formation à côté, donc c'est sûr que ça, déjà, ça densifie tes journées. Et puis après, quand tu fais la bascule complète, donc il faut les partenaires financiers, parce que nous, on n'a pas les ressources financières pour le faire. Donc ouais, t'as une petite pression quand même. On sort du cône, là. Le défi qu'il y a eu un peu sur les banques, c'est qu'au début, on était un peu les uluberlus. Hein. On arrivait, on recréait des parcs sans expérience, en n'étant pas du milieu, sans matériel et en se lançant dans les moules. Et derrière, on n'avait pas de réponse, mais ça a bloqué complètement notre avancée. Bon, alors on a fait un peu le système D. Hein. Non, mais on se la poche avec l'autre. La barge de la Laïta. Donc, on a lancé la procédure, on s'est lancé dans l'aventure à 200%. Se lancer dans l'aventure vite et à 200%, ça veut dire travailler énormément, dimanche compris. Munis de leur diplôme et d'une bonne dose d'audace, Julien et Leslie se lancent, certes sans aide financière, mais pas sans soutien. Pour ramasser les premières moules à mettre dans le parc ou aider à fabriquer les poches, les copains et les gens du village sont nombreux à avoir retroussé leurs manches. C'est un village de Gaulois et je pense que justement ce côté humain entraide, c'est parce qu'on est implanté là aussi. Il a suffi de dire, là, ça y est, on va lancer. Ah oui, tu vas lancer. Quand est-ce que tu as besoin de coup de main? Oui, ça peut nous aider. Il y avait 10 personnes à être là. Rien ne serait possible non plus sans les anciens du village. Michel, Joseph et d'autres suivent ce projet de près. Ils conseillent et encouragent Leslie et Julien depuis le début. La clé. Je prends. Isabna. Merci. Voilà. Super. Je vous souhaite bon travail. Merci Jo. En espérant que ça va vous servir un peu. Bon, vous avez le ménage à faire dedans. Le directeur, de prendre l'expérience quand même des anciens sur la rivière, et c'est riche. Moi, je suis biologiste marin, océanographe. La compétence de biologiste ne va pas combler l'expérience d'un vrai conchylicteur qui fait ça depuis des années. Alors, on a mis des moules qui avaient 6 mois de vie. Et maintenant, elles ont un peu plus d'un an. Et le fait de les mettre en poche, en fait, ça... Il y a du sable et du sédiment qui va passer à travers les poches et qui vont obstruer un peu les trous. Et plus elles sont chargées, les poches, en sédiment, moins les moules vont pouvoir manger. Donc, on est obligé de les secouer pour bien laisser circuler l'eau à travers les poches. Et elles ont assez bien poussé. On a choisi cette technique-là parce que
Pour les moules, ce qui est le plus connu, c'est les pieux de bouchot. Et en fait, ici, si on avait installé des pieux de bouchot, d'une, il n'y aurait pas eu assez de hauteur d'eau. Et les pieux, une fois qu'ils sont mis dans le sable, on ne peut plus les enlever. Donc on aurait créé un banc de sable finalement artificiel qui aurait encombré la Laïta. Alors qu'avec les tables, bah là, on voit bien qu'il y a des endroits qui se sont ensablés, mais on peut sortir les tables et les déplacer. On a une emprise carbone qui est très faible sur le milieu parce qu'on a un coquillage qui, lui, absorbe sa vie, c'est de capter du CO2. Donc, il détoxifie un peu le milieu, j'ai envie de dire. Et ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont capables de faire ça. Donc, en fait, tu utilises la nature, tu sens que c'est bon pour l'environnement, pour toi, pour tes gamins. C'est quand même hyper positif, quoi. Alors, c'est pas un truc qui est palpable, mais dans ta tête, c'est... C'est pas mal. Surtout l'hiver quand t'as l'onglet et que t'es en train de remuer les tables. Ça aide. Toi t'as froid ? T'as froid. Tu veux te baigner ? Fais-toi plaisir. De temps en temps, d'avoir une petite pause. C'est les prélèvements qu'on fait toutes les semaines pour savoir si elles ont bien grossi, si elles sont bonnes à commercialiser. Et en même temps, ça va nous servir demain pour faire une analyse en laboratoire, pour avoir les agréments sanitaires pour pouvoir vendre sur les marchés, qui mériterait encore un ou deux mois de pousse pour grossir. Mais voilà, la majorité est quand même bien, bien grosse, donc ça fait un beau produit. Donc j'aime bien venir en fait faire le prélèvement. Bah, on voit qu'elle commence à être bien. Après, ça peut être encore un peu plus gros. Mais par rapport à ce qui peut être servi dans une assiette, ça commence à être bien. C'est joli, c'est une couleur bien orangée quand même. Donc, ils sont bien. Les jours se suivent et se ressemblent sur le petit port de Clohars-Carnoët. Ces petits matins bleus, Julien et Leslie les passent souvent, les pieds dans l'eau. Mais ce petit matin-là n'est pas un matin comme les autres. Après 2 ans de volonté, de labeur et de sueur, c'est l'heure de la première récolte. Écoutez, quand vous avez connu des choses déjà dans votre enfance et que vous les retrouvez des dizaines d'années après, c'est toujours un peu un émerveillement, un petit retour sur le passé. Et puis elles sont bonnes. Celles-ci ont un petit parfum, je ne sais pas, qu'on ne trouve pas dans les autres. Et elles ont surtout la chair, la vision. Regardez comment c'est jaune. Alors que toutes les autres sont un peu pâles. C'est formidable, mais... Tout le monde nous disait c'est impossible de recréer des parcs sur la Laïta, c'est impossible. De lancer dans la mytiliculture alors que vous n'êtes pas mytiliculteur ou fils de, fille de, c'est impossible, vous n'y arriverez pas, c'est trop difficile. Bah, finalement, après 2 ans, bah, on voit qu'on y arrive et on est mytiliculteur et on vend des moules. Donc voilà. Pour Julien et Leslie, ce n'est que le début de l'aventure. La route est encore longue. Mais c'est déjà une belle histoire, car la rivière est en vie et leur rêve aussi.
Et voilà l'océan. Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous quitte à l'embouchure de la Laïta face à l'océan. Merci Darig, on a passé une excellente journée. Merci Marine, j'ai passé un agréable moment. Tu m'as appris plein de choses. Et là, je crois qu'on va devoir arrêter de parler pour continuer de pagayer parce qu'il y a pas mal de courant. Exactement. Merci d'avoir regardé Littoral et à bientôt.